L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vendredi, le 17 février 2023, sixième semaine du temps ordinaire. Les lectures sont lues par Justine Kondo, le diacre Justin Dikounou SMA, commenté par le père Éric Potor SMA. Première lecture, lecture du livre de la Genèse, chapitre 11, les 9 premiers versets. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons,
bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. C'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, chapitre 8, verset 34 au chapitre 9, verset 1er. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père
avec les saints anges. Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort, avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, il est très intéressant de constater qu'après le déluge, les hommes étaient tellement unis qu'ils arrivaient à se comprendre et prendre des initiatives et décisions en commun accord. Que c'était beau, cette harmonie entre les hommes. Cependant, Dieu fit tout pour les séparer parce que leur unité était en quelque sorte motivée par le désir de dominer le monde et de se protéger contre Dieu. Ils ne voudraient plus se laisser détruire par Dieu comme dans le déluge, malgré la promesse de Dieu de ne plus détruire l'humanité. Ils ont alors décidé de se regrouper et d'ériger un édifice suffisamment haut pour servir de refuge dans l'éventualité d'un nouveau déluge. Chers frères et sœurs, ceci est pour nous dire qu'une unité qui n'est pas motivée par l'obéissance et la soumission totale à la volonté de Dieu n'est pas une bonne unité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de groupes exotériques qui apparemment s'accordent et font des biens autour d'eux. Mais la question demeure, quelle est la vraie motivation de ces groupes? N'est-ce pas la plupart des temps pour contrôler le monde? Chers frères et sœurs, prenons bien garde, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Que le Seigneur nous aide et nous guide vers les communautés unies dans lesquelles il y a un sens profond de la crainte de Dieu, et qu'il nous aide à œuvrer pour l'unité, pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24, en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.